Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voulais vous parler du Frexit, vous expliquer euh, pourquoi il est nécessaire que la France sorte de l'Union européenne, et c'est possible euh, juridiquement. Euh, et donc, euh, pourquoi je vais voter pour François Solino, pour la liste de François Solino, la liste euh, UPR, euh, pour le Frexit. Euh, alors déjà il faut prendre conscience que euh, les élites mondialistes lucifériennes euh, veulent euh, instaurer un gouvernement unique mondial qui sera euh, qui ne sera autre que la dictature antichristique, telle que prophétisée dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13 notamment. Et euh, donc, euh, ce, ce gouvernement mondial unique est en construction. Et euh, vous voyez que euh, le Club de Rome, en 1968, euh, donc le Club de Rome, qui est un cercle mondialiste, euh, a établi 10 biorégions. Euh, donc, vous, vous voyez, euh, ce seront les futures euh, provinces régionales du gouvernement mondial unique. Donc par exemple la première biorégion c'est l'Amérique du Nord. Voilà, il y, y a une la dixième biorégion c'est la Chine, la neuvième c'est l'Inde. Euh, vous voyez comment c'est construit. Et la deuxième biorégion, c'est euh, ça correspond à peu près à l'Union Européenne. Et donc c'est pour ça qu'il est impératif euh, de euh, retarder leur plan. Et donc euh, D'abattre l'Union européenne. Euh, il est bien évident que si la France quitte l'Union européenne, euh, celle-ci s'effondrera tel un château de cartes, puisque euh, l'Allemagne ne, ne pourra pas, ne voudra pas supporter seule le poids de, 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 de l'Union européenne. Donc, ça, c'est le premier point. C'est qu'il euh, est nécessaire de, de, que la France fasse le Frexit euh, pour détruire la deuxième biorégion euh, et donc retarder l'avancée euh, du nouvel ordre mondial de euh, la dictature antichristique euh, qui imposerait une dictature sur le monde entier. Donc, euh, je, vais vous, je, je vais vous commenter les tracts de l'Union européenne enfin de l'Union Populaire Républicaine, l'UPR, euh, présidée par François Solino. Euh, donc tout est sourcé, hein, euh, il vous renvoie vers le... soit le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, soit sur le traité sur l'Union Européenne. En réalité, il n'y a que deux traités euh, qui, qui régissent euh, le, le fonctionnement de, de l'Union Européenne. Donc le premier point, c'est que la France a perdu sa souveraineté. Euh, L'Union européenne impose le partage des compétences aux États membres. Donc, euh, donc vous voyez que euh, vous voyez que euh, la France a très peu de marge de manœuvre, puisque euh, l'Union européenne a les compétences exclusives sur les règles de concurrence du marché intérieur, sur l'union douanière, sur les ressources maritimes, sur la politique commerciale, la politique monétaire. Euh, les états ensuite, les compétences partagées, les États membres exercent leurs compétences dans la mesure où l'Union européenne n'a pas exercé la sienne dans les traités. Donc voilà, c'est le fameux principe de subsidiarité. Donc euh, l'Union européenne a la, a la primauté concernant la consommation, le transport, l'énergie, la politique agricole et halieutique l'espace de liberté, sécurité et justice, la politique sociale, économique et territoriale, la politique environnementale et la santé publique, et le marché intérieur. Et euh, finalement, euh, concernant les compétences de coordination, l'Union européenne dispose d'une un, compétence à mener des actions pour appuyer et coordonner et compléter l'action des États membres. Donc la, la France a véritablement euh, sa souveraineté sur des choses cosmétiques et mineures comme la politique industrielle, culturelle et touristique, l'éducation, euh, l'administration, la, la protection civile et euh, la santé. Sachant que la santé est mise en concurrence. Euh, donc vous voyez que la France n'a absolument plus sa souveraineté. Euh, elle ne peut plus, nous n'avons plus les moyens de, euh, de sortir de, euh, de la crise car la France n'a plus les moyens de le faire, n'a plus sa souveraineté. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire qu'elle retrouve ses, son, sa souveraineté par le Frexit. Donc euh, l'Union européenne impose l'agriculture intensive. Euh, les frontières sont détruites. L'Union européenne n'impose aucun contrôle aux frontières entre les États membres. Euh, donc voilà, la, la France est un véritable moulin avec tous les problèmes que ça engendre. Euh, la politique économique et sociale est imposée. La Commission européenne fixe la politique du pays via les GOP, les grandes orientations des politiques économiques. Donc les, les GOPs euh, sont rédigés et, et par la Commission européenne et transmis aux États qui les traduisent dans le droit euh, national. Donc les conséquences, euh, ce sont des coupes sombres dans la santé, l'assurance chômage et les retraites, la réduction du coût du travail, la baisse de l'impôt sur les sociétés et l'augmentation de la TVA et ou de la CSG, la fin des contrats à durée indéterminée le démantèlement du droit du travail et des acquis sociaux, le gel du SMIC, voire sa réduction, l'ubérisation de la société, c'est-à-dire la précarisation de la société, la réforme des professions réglementées et euh, certains statuts, euh, certains statuts euh, de certaines professions. Euh, donc la, la santé et l'environnement sont soumis à la concurrence. Euh, donc toute tentative de privilégier la santé humaine face aux lois des marchés est entravée par les traités européens. La BCE contribue à augmenter le chômage. Son unique objectif est de lutter contre l'inflation. Donc effectivement, nous n'avons plus de, de, de politique monétaire. Euh, nous ne pouvons plus euh, jouer sur le, 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 le prix de, de notre monnaie pour ajuster à notre économie, car actuellement l'euro est trop fort pour notre économie, et donc euh, ça entraîne un déficit commercial notamment. Euh, une autre Europe est impossible, car l'unanimité est requise pour modifier les traités européens. Euh, donc, il faut l'unanimité, et vous, verrez, vous voyez que, euh, en réalité, les, les différents États euh, ont des projets et des désirs différents, et, et, et de toute façon, ils ont une économie différente, donc des besoins différents. Par exemple, euh, l'Allemagne voilà, a besoin d'une monnaie forte, car euh, euh, elle produit encore des, euh, des, des, des produits industriels à haute valeur ajoutée. Et voilà, euh, euh, ils ont un marché du travail sans salaire minimum. Euh, donc voilà, euh, alors que la France, par exemple, a besoin d'une monnaie compétitive, donc euh, plus faible. Nous, nous avons besoin d'une monnaie plus faible que l'euro actuellement euh, pour relancer euh, l'économie. Et, euh, et effectivement, nous sommes attachés euh, euh, aux acquis sociaux. Donc l'Union européenne n'est pas démocratique. La Commission européenne est un organisme non élu qui concentre les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Le gouvernement ne dirige plus la France. Donc là, c'est encore l'histoire des, des Gopés. Euh, et, et, euh, et effectivement, la Commission européenne a un droit de regard sur le budget euh, français. Euh, donc nous n'avons plus véritablement de, de politique euh, budgétaire autonome. Euh, les délocalisations et les évasions fiscales sont encouragées puisque toutes les restrictions au mouvement de capitaux sont interdites. Euh, le surendettement public ne cesse d'augmenter. La France est obligée d'emprunter avec intérêt au, aux banques privées. Euh, effectivement, nous avons, nous avons besoin euh, de retourner à la situation euh, antérieure à 1973 euh, avec une banque nationale euh, indépendante, ou plutôt euh, dépendante du, du pouvoir politique, mais. Euh, Totalement, euh, nous avons besoin d'une banque euh, nationale en réalité, du retour à la Banque de France, dans le giron de l'État. Euh, L'OTAN nous entraîne vers la guerre. Le choc des civilisations nous est imposé par les États-Unis. Euh, donc là, en réalité, euh, la France a été obligée de participer à. Euh, à différentes opérations euh, sous pavillon de l'OTAN, par exemple l'opération Pamir en Afghanistan ou l'opération Uni Unified Protector en Libye en 2011. Et vous voyez que euh, la France faisant partie de l'OTAN, euh, elle ne peut pas être neutre dans le conflit ukrainio-russe. Alors que, euh, à mon sens, il faudrait que la France soit neutre dans ce conflit. Euh, donc, les, les services publics sont démantelés, ceux-ci sont soumis à la concurrence des entreprises privées, et euh, comme je vous le disais, l'euro affaiblit notre compétitivité, l'euro est surévalué par rapport à notre économie. Alors, euh, je vais voter euh, pour François Seuino avec sa liste Union populaire républicaine. Euh, eh bien c'est parce que à mon sens c'est l'homme politique le plus charismatique euh, du Frexit. Actuellement il n'y a que deux listes euh, Il n'y a que deux listes euh, euh, qui prônent le Frexit Il s'agit de la liste de France de Florian Philippot et de de, de françois Asselineau et je pense que françois Asselineau est beaucoup plus euh, charismatique et donc fera mieux entendre la voix du frexit au parlement européen. donc effectivement, il n'y a que deux listes. Euh, il n'y a que deux listes euh, actuellement, donc que ce soit reconquête, rassemblement national, debout la france, etc. ce sont des, des voies de garage. Car euh, la seule solution, c'est vraiment le Frexit et, et euh, pas de référendum. Enfin, euh, euh, il faut vraiment euh, engager le Frexit euh, plutôt que de parler de référendum ou euh, euh, de faire un bras de fer avec la Commission européenne, etc. Euh, où euh, toute autre Europe est impossible. Donc, euh, pour moi, euh, les autres partis politiques. Autres que euh, ceux de Florian Philippot et d'Assolino euh, sont des voix de garage. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de, de faire le Frexit et... Euh, et donc de voter pour une liste du Frexit et euh, je donne la primauté à François Asselineau euh, pour son charisme, euh, sa, sa, sa hauteur de vue et... Euh, sa, sa puissance d'argumentation. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.